Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici Guidel et le Guidel Web TV. On vient de finir l'épisode 3, on enchaîne directement pour pas perdre quoi que ce soit sur l'épisode 4. On est à Paris avec Anna. Pas celui-là que je disais. Ah oui, ça n'a pas d'utilité. Concrètement, ça n'a pas d'utilité. Ça par contre, ça a une utilité. Il y a des trucs à récupérer là. Ah bah oui. Ah, il y a que 4 et on va pouvoir compléter le tableau là. Là clairement, je vais pouvoir compléter le tableau donc hein. J'y arrive pas, on rigole pas. Il a et là, il fait tomber le machin. Pas des graines. Quelque chose. On va aller là-bas. Comment je vais pouvoir attirer le pigeon ? Ah, genre là. Allez. Deux. Ah, on doit m'appeler là-bas. Une bouteille, elle est intéressante. Qu'est-ce qui se passe ? Taxi de la merde. Plus que un et on finit le tableau. Des trucs comme ça. On répare le taxi. Ah, il faut de l'eau. Ok. Elle s'est blessée, l'autre con. On court un peu partout là. Oula. Allez, je me concentre parce que c'est chaud. Hein. Allez, courage. Nemo ? Elle l'a appelé Nemo ? Elle dit courage Nemo. Comment on peut appeler quelqu'un Nemo ? Bah donne. Yep. Pit 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 pocket. Pit 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 pocket. Pit pocket. Oh. Ouais non, ok. I understand. Du. Oh non! Oh non! Ça a fini le tableau! Oh, je suis trop deg! Il y avait le quatrième! Oh non! Je le voyais derrière la pancarte là. Je suis trop deg. Je suis trop deg. Hey! Je ferais bien un petit show là de French Concord, mais je suis pas. J'ai pas fait mes échauffements ce matin. Des barriques de vin.
Vous remarquez qu'il n'y a que des barriques de vin. Coucou. Ça va? Ah non, non, va te faire toi. Oh putain. Wouhou! Shake down body. Check ton body. Da 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 da. Ça c'est pas trop la mort. J'ai réussi. J'ai pris 3 packs mais j'ai réussi. 7 septembre 1914. Les taxis avaient roulé toute la nuit. Anna était fière de pouvoir aider les soldats à rejoindre le front. Lorsqu'Anna atteignit sa destination, elle découvrit l'horrible vérité de ses propres yeux. On se battait encore à cheval. Un petit coup de whisky. Un petit coup d'eau de vie. Ça va mieux? Elle le masse et tout. Courage, Nibon. Ça a craqué. Désolé. C'est pas ma faute. Genre, lui a pris la jambe. Je vais défoncer le gnou. Sept mois passèrent, durant lesquels Anna, mue par une compassion sans faille, s'engagea corps et âme pour apaiser les souffrances et les maux des valeureux soldats. Chaque vie sauvée était une victoire sur la guerre. Mais la guerre ne finissait pas. Oui, alors oui, je l'avais pas vu quand on prenait, mais bon. Par contre, ça, je l'avais vu. Un bout de saucisse. Bon, là. Il y a 3 mecs qui vont pas bien. Lui, il faut lui couper la jambe. L'autre, il est dépressif, faut lui donner un verre. Quoi? Non, je vais rien lui couper. Je vais rien lui couper, moi. Non, 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 on va rien lui couper. C'est dégueulasse. Elle vient de lui couper le bras, elle est veto hein. Elle lui a découpé le bras. Des chaussettes. Y'a rien ici. On tient un cheval depuis tout à l'heure, c'est chiant. Ah lui il est dépressif lui. Qu'est-ce qu'il veut? Ah le... oh, il y a un truc là. Allez. Attends.
J'en ai pas de béquille pour toi donc. Ah ok. S'il y a quelque chose. Et j'ai vu. J'ai cru voir quelque chose. J'ai cru voir quelque chose de type intéressant. Comme un artefact. Un artefact, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça ou un achievement. Ah, c'est rempli. Ah, regardez derrière la tête du poney. Ça, yes, ça. On peut pas déposer les objets ou ça c'est chiant. J'ai mis l'écharpe dans l'eau. Je pense que ça lui servira énormément cet homme. Et vous garde. Ok, très bien. Là il doit y avoir une note, peut-être pour moi. Allez. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un mec qui creuse. Non, c'est à tout. Je crois. Ok. Je sais où c'est. Il y en a qui veut une béquille. Je pense que la béquille ça va être la pelle. C'est pas la joie. C'est pas la joie. Le mec il a le bras explosé. C'est pas la joie. Il arrête pas de se plaindre, ça m'énerve. C'est pas la joie. Hey, c'est pas la joie. T'as le bras pété, c'est pas la joie. Alors qu'est-ce qui se passe? Gauche. Bah. Bas, droite, gauche, à droite, l'autre gauche. Dieu vous bénit, ouais, tu me bénis, merci. Est-ce que tu vas me donner quelque chose, soit d'utile? Tu m'aimes bien, ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Allez, 3, 2, 1, je finis un tableau. J'étais quand même deg d'avoir loupé le tableau juste avant. Elle se déplace avec sa croix, genre salut, j'ai une croix. Oh, pauvre Tigo. Pauvre Tigo. Comment t'appelles? Viens, on y va. Allez, go, 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 go. J'arrive. Tiens. Il y a encore un qui veut des soins, mais c'est pas possible. Il est où ce con? Il est dans la fosse? Ah, un Allemand. Qu'est-ce que t'as? Allez, montre-moi ton bobo. Une piqûre? C'est pourquoi faire une piqûre? Il a dû se prendre une balle, je pense. Il a mis une petite piqûre de morphine et lui sort la balle. Et là, il récupère tout le sang. Comme ça, après, pourquoi il a dit. Elle a dit encore courage Nemo? Elle récupère son sang. Ah mais non, elle le faisait boire. Elle récupère son sang pour le boire après. Vampire en fait. Les officiers français parlaient de la Belgique. L'armée allemande était sur le point d'essayer une nouvelle arme dans la zone d'Ypres. Ah merde. La ville natale d'Anna. C'est tendu. Papa. Anna prit la route pour avertir son père du danger.
Arrivée aux abords de la ville, elle fut accueillie par les hurlements des sirènes. Les gaz l'avaient précédée. J'avais encore coupé mon micro. Donc je disais un solo de Guidel et pas un solo de. Un solo de cloche de Guidel et pas un solo de la cloche. Hein? J'ai déverrouillé. En plus j'ai déverrouillé un succès, je suis plutôt content. Affaire là-bas. Je suis sûr que j'ai loupé quelque chose genre à droite là. Je pense que j'ai loupé quelque chose. S'il vous plaît. Voilà, ça devrait être plus facile pour respirer. Il y a un truc derrière. Ah oui, mais non, c'est l'ouverture, ok. Je m'en foutais pas, je fais merde, il y a un truc derrière. Mais qu'est-ce que c'est? Encore soigner quelqu'un, c'est chiant de soigner les gens, hein. D'accord.
deux en même temps. Allez. Ça, ça va pas faire de bien. Gros QTE, gros QTE. Allez, c'est bon, vas-y. Le mec, il reste là quand même, Clodo. Genre. Et vous m'emmenez pas? Pourquoi faire? Tu vas me ralentir? Ouais, mais je vais mourir là. Bah alors. Est-ce que tu crois réellement que c'est mon problème? C'est quoi là? Y'a rien. Et là, est-ce qu'il y a un truc? Non. Aidez-moi, aidez-moi! Va te faire, c'est bon. Là. Pourquoi je fais ça? Ok. Faut où je vais? 3. Ah, y'a un truc. Oh, y'a un objet là-bas. Y'a un objet à récupérer. Bientôt, bientôt. Et tu seras à moi. Déçu. Profondément déçu. Là, il y a quelque chose. Allez. Et tu es à moi maintenant. Et là, il y a. Allez, les clés. On voit bien que ce tableau ressortait un petit peu trop pour être. Par rapport au décor pour être ne rien être en fait. Je pense qu'il faut aller mettre les clés là-bas. Allez. Là il y a un 4 et avant il y avait 2-6, c'est ça. Là il y a un 3-8. Alors c'était quoi? Un 4. Le 6. 3 8. Allez. On est où? Ah, c'est des plans de toutes les armes et tout. Donc il y a un char sur ski. Et la machine à gaz. Et il y a le fameux. La fameuse montgolfière. Et des grenades. Et il y a ça. Donc il y a un char à ski après. Donc on va sûrement le voir dans la suite du jeu. Un char sur ski. Ça peut être très drôle à voir. On va vite fait finir ce tableau. J'espère qu'il va bientôt être fini. Je pense que oui, parce que là ils vont mourir. C'est bon, on va mourir. J'ai pas genre. Ah ok, non, c'est pas ça qu'il faut lancer. J'allais lancer le levier genre. Ah mais ça fait rien en fait un levier. M'aurait-on menti? J'ai pas vu si j'ai fini le tableau ou pas. Mais oui, j'ai fini le tableau. Oh le dieu. Le dieu vivant. Il vient de me craquer le plaquage thoracique, ça fait du bien. Et kaboum. Ça a même ouvert en bas. Allez, soignons la dame. Je crois que c'est sa mère en plus.
Les QTE, c'est compliqué, oh. Les QTE, c'est compliqué, oh. Les QTE, c'est compliqué, hein. Les QTE, c'est compliqué. Les QTE, c'est compliqué. Mais quoi, t'es en vie, tu veux pas te plaindre non plus? La gouvernante lui révéla que son père, éminent scientifique, gouvernante, avait été enlevé par le baron von Dorf, qui souhaitait mettre la science au service de la guerre. Lancée à la poursuite du baron, Anna croisa la route d'Emile et Freddy. Yaya. Le destin les avait réunis. Ils avaient traversé ensemble le feu et la fureur ennemie, survécu aux attaques aériennes, aux gaz, aux bombardements. Maintenant que son père était en vue, Anna n'allait pas le laisser s'échapper. Mais bien sûr, ce sera dans un autre épisode. Donc l'épisode 5. Maintenant, on va passer tout simplement aux réseaux sociaux. Donc on peut nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube. N'hésitez pas, hein, commentaires et tout. On est là. Allez, à la prochaine pour l'épisode 5 ou sur un autre.